Je m'appelle François, donc en ce moment je travaille au Labo Matériaux de Fontaine. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'entreprise, mais j'ai commencé en forge en tant qu'intérimaire. Donc j'ai un peu tout fait, mon ménage, moulage, tout ça. Et au bout de quelques années, j'ai commencé à faire du contrôle, du traitement thermique, des contrôles de dureté en forge pendant à peu près 10 ans. Et il y a une place qui s'est libérée au labo. Après, j'ai postulé, j'ai été accepté. Enfin, j'ai pu changer de poste et aller au labo. On fait du contrôle destructif, c'est-à-dire qu'on casse la matière ou les soudures pour les analyser, pour savoir s'ils sont conformes à ce que demandent des fontaines aux fournisseurs ou ce que demande le client en soudage à deux fontaines. Suivant les spécifications qu'on nous donne et les différents matériaux. En fait, on nous amène un bout de matière ou une soudure. On nous demande une conformité là-dessus. En fait, c'est à nous d'aller chercher dans les cahiers des charges ou dans les spécifications clients ce qu'on doit contrôler, suivant les matières. En fait, c'est à nous de faire toute la démarche. On crée nos essais, on les fait, et après, on applique une conformité, on envoie les résultats à différents départements. En fait, on suit le projet de A à Z. Donc, on a chacun nos échantillons.